Salut à tous, c'est Fred, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre survie sur Minecraft. Je sais, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait l'épisode. Je rappelle que c'est une série que je tourne et que je mets en ligne dans la même journée, à savoir le lundi. Et que pour ça, il me faut mon après-midi complet. Donc si ça peut arriver que des fois il n'y ait pas d'épisode, mais je ferai toujours en sorte de pouvoir. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer un truc. Voilà, la dernière fois, on était en train de se faire un stuff enchanté en diamant, donc il me manquait une deuxième pioche parce que j'avais délicatesse, il m'en faudrait une fortune pour pouvoir miner des ressources. Donc c'est en cours. Et il me manquait un pantalon, enfin des jambières en diamant, voilà, donc c'est fait. Protection contre les explosions 4 et solidité 3. Bon alors, ce serait quand même bien de pouvoir mettre d'autres enchantements dessus, donc je vais pas tout de suite l'utiliser, j'aimerais pouvoir mettre des enchantements. Et un truc aussi, j'aimerais avoir des enchantements réparation dessus, pour ceux qui connaissent. Et pour ça, le meilleur moyen d'en obtenir une grande quantité, parce que c'est un enchantement qui reste assez rare, c'est d'avoir un villageois, un bibliothécaire qui en vend. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il me faut des villages. Sauf que des villages, sur cette carte, je n'en ai qu'un seul, qui est un peu là-bas et dans lequel il y a uniquement 4 curés. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je pense que d'ici peu de temps, on va agrandir la carte. Sauf que pour que la carte s'agrandisse sans que ce soit trop moche, et histoire de pas avoir une vieille ligne dégueulasse à l'horizon, parce que étant donné qu'ici c'est notre secteur, on est en bordure. Donc faut quand même que ce soit un minimum beau, je crois qu'on est en bordure, je vais regarder la carte. Effectivement, on est en bordure. Du coup, on a un village. Je peux pas mettre la carte dans la main, c'est pas grave. En fait, on a un village par là-bas, donc le village dans lequel il y a les prêtres. Les prêtres sont quand même intéressants parce qu'ils me permettent de revendre la chair putréfiée des zombies de ma ferme, qui me permet d'avoir de l'XP. Du coup, ils sont assez utiles. Ce que je vais faire, parce que il y a une option que j'ai activée, c'est que ça va régénérer et réactualiser en fait les 30 blocs de bordure. Sauf que le village, il est sur les 30 blocs en question. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rapatrier des 4 villageois ici. Je vais pas le faire dans cet épisode. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que, regardez, la dernière fois que on s'est vu, il y avait un village ici qui était mal généré, à moitié buggy, il y avait 2 maisons et demie, littéralement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rasé ce village. J'ai terraformé autour, et regardez. Du coup, si vous avez remarqué aussi, j'ai pris toutes les fleurs qu'il y avait dans la forêt de fleurs, on pourrait les faire respawn avec de la poudre d'os, c'est pas un gros problème. Mais du coup, regardez. Voilà, j'ai ramené les matériaux, bon, il n'y a pas tous les matériaux, mais ce que j'ai envie de faire, du coup, on va aller dormir avant, ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement, dans cette petite zone, entourée de barrières pour pas qu'ils s'échappent et que ça reste un minimum sécurisé, un village refait, artificiel, enfin, je sais pas si artificiel c'est le mot, mais en tout cas, on va refaire un village, et tant qu'à faire, on va le faire un petit peu plus beau que les villages classiques, on va mettre des décorations. Voilà, donc là en l'occurrence on va commencer par une église, étant donné que les 4 villageois que j'ai, bah, c'est les curés. Du coup après, quand on aura fini tout ça, on agrandira la carte, on ira l'explorer, histoire de retrouver les villageois, parce que j'aimerais bien avoir de quoi utiliser mon stuff, mais pour ça il me faudrait du... comment ça s'appelle? Du... J'ai oublié le nom. C'est pas grave. De la réparation, du mending. Mending en anglais. Voilà. Du coup, est-ce que j'ai assez de pierre? Je voulais faire de la brique de pierre, mais je vais en faire, c'est pas bien grave. Quoique ça va peut-être me prendre du temps. Est-ce que je fais vraiment une église en... Oui, bon, c'est quand même plus beau. Je fais ça. Bah, j'avais pas tout prévu, c'est pas bien grave. C'est pas grave. Alors, je vais remettre un petit peu de charbon là-dedans. Voilà, comme ça j'aurai un petit peu de pierre. Sinon on comblera avec de la cobble, c'est pas grave. Le but c'est quand même que ce soit assez naturel. Alors, du coup, comment on va s'organiser? Parce que je n'ai aucun plan à l'avance, je n'ai pas designé quoi que ce soit en créatif. Là je me lance vraiment dans le vif du sujet. Hier soir encore j'étais en train de préparer ce coffre, littéralement. Du coup, alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais pas raser l'herbe. L'herbe, on s'en fout un petit peu. Du coup, j'ai amené du bois, alors que... Non, c'est pas grave. Je vais laisser ça ici. Le but, de toute façon, ça va être que je le...
que je le cuise dans les fours qu'il y a plus loin. Je vais prendre tout ce qui est pierre lisse déjà. Et je vais prendre. Ah, attendez, je vais aller chercher. J'avais deux petites portes qui seraient bien sympathiques pour une église. Voilà. Bon, je suis pas un gros fanat des religions, mais c'est vrai que les bâtiments religieux, style église, mosquée, tout ça, c'est quand même assez stylé. Donc, je vais essayer de faire quelque chose d'assez stylé, mais on va rester quand même sur Minecraft. Donc, ça va être quand même petit, c'est pas censé prendre toute la place. Je vais peut-être faire des vitres de couleur, si tant est que j'en ai. Moi, j'en ai quasiment pas beaucoup. J'avais voulu faire une tête de creeper en vitrail, mais. Est-ce que je vais avoir la place? Faudrait que je voie combien ça fait la tête de creeper. Je regarde vite fait sur une image que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ferait 8 blocs de large. C'est peut-être un peu grand. Alors, je suis venu ici, je ne sais même pas pourquoi. Ah si, voilà, porte pour l'église. Et je vais en profiter pour re-remplir un peu ça. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Alors, évidemment, je ne sais pas si dans cet épisode, on va pouvoir faire le village complet. Quoi qu'il en soit, je le finirai en off. Quoi qu'il arrive, la prochaine fois qu'on se reverra, le village sera, je pense, terminé. Ou il restera quelques trucs qu'on fera ensemble. Je verrai bien. Alors, je vais quand même virer ça. Parce que ça, on s'en fout un petit peu quand même. Faut que je me situe maintenant. Alors, vous inquiétez pas pour l'herbe, c'est une décoration qui est assez intéressante, mais on en remettra. Du coup, je vais me mettre à peu près au centre de mon truc. Faut que je pense que l'église, je vais la faire comme ça, donc je vais faire les fondations. Voilà, j'ai aussi de la pierre cassée et de la pierre moussue qui me reste de ma construction de là-bas, de la ferme. Du coup, je vais faire un truc un petit peu similaire. Alors, j'aimerais faire du 8 blocs pour pouvoir faire un petit vitrail de creeper. Je pense que ça pourrait être stylé en réalité. Et du coup, de toute façon, sinon je vais terraformer. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Normalement, il y a le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, donc là, ce sera le. Donc on aura dans ce sens-là, on aura la nef, ah, si je ne m'abuse. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va juste faire l'église. On va peut-être faire ça en plusieurs épisodes, ça pourrait être intéressant en réalité. Donc du coup, je vais faire quelque chose d'assez carré, hein, bien entendu, mais... Alors que je vais déjà plus avoir de blocs. Merde. Oui, bah ça m'apprendra à ne pas préparer mes blocs à l'avance. Puis voilà. Heureusement, j'ai de quoi en faire quelques-uns. C'est pas énorme, mais ça sera suffisant. Donc du coup, voilà pour la nef. Enfin, pour la nef, non, là, ce sera la partie où il y aura voilà, justement le curé, voilà. Enfin, il y en aura quatre, mais ils iront pas forcément dans l'église, ils seront plutôt libres dans le village, mais... voilà. Alors après, oui, le truc, c'est vrai qu'il faudrait pas que je fasse un truc beaucoup trop grand, dans le sens où... Dans le sens où sinon je crois que le bâtiment sera pas compté comme une porte, mais bon, on pourra faire une maison de toute façon. C'est pas bien grave. J'aurais juste un truc pour le visage du creeper. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est du 8 sur 8 le creeper. D'accord, donc très bien. Ce que je vais faire, du coup, je vais m'arrêter là pour ce coin-là. Je crois qu'on a des petits... une église en forme de croix, je crois, vu du dessus, donc... je sais pas trop. Je suis pas un grand builder, hein. C'est vrai qu'à part les constructions de Halo... Mais en fait, je m'étais fait la réflexion de faire quelque chose très inspiré de Halo, mais en fait, c'est vrai qu'à force de regarder des séries comme Celestia, Holycube, enfin les youtubeurs un peu que je regarde en ce moment, donc Hypierre, Aurélien Samar, Walloui, tout ça, que vous connaissez peut-être, j'imagine. Bah, c'est vrai que finalement, plus ça va et plus j'ai envie vraiment de faire du Minecraft pur et dur, donc ce sera vraiment une série finalement, je pense. Pur Minecraft, voilà. Il va me falloir du sable aussi, je vais faire fondre. J'aurais dû installer ma fonderie avant, je pense. C'est pas grave.
Au sol, qu'est-ce que je pourrais bien faire au sol? Je pense qu'au sol, on va faire du parquet, tout simplement. Donc, attendez. Est-ce que j'ai une pelle? J'aurais dû prévoir une pelle. Mais, bah, c'est pas grave, on va en faire une. J'ai pas de quoi en faire. Si. Je vais aller là-bas. De toute façon, il va falloir que je récupère des petits blocs de pierre. Voilà. De toute façon, c'est un épisode que je vais essayer de condenser un maximum parce que j'aimerais au moins que l'église soit finie d'ici à... Ah oui, mais non. Ah, mais je suis con. On va avoir un petit problème. Je voulais faire une tête de creeper. J'ai absolument pas de teinture verte. Et pour en faire, il n'y a pas 36 solutions. C'est le cactus. Pour avoir le cactus, il faut un désert. Et je crois que le désert, c'est dead, hein. Ouais, c'est dead. Ouais, du coup, vous savez ce que je vais faire? J'ai pas un cactus maintenant. Des fois, il y a des cactus, on peut trouver dans les... Je crois dans les... C'est pas grave. Ce que je vais faire pour le coup, ça va être très simple. C'est que je vais... Je vais tout simplement ne pas faire de vitrail. De toute façon, j'ai pas assez de sable. Et on va attendre d'avoir un désert, donc voilà. En attendant, il va me falloir quoi? Une pelle. On va faire ça. Par contre, ça, les pioches, j'en ai, il n'y a pas de problème. Si je prends du gravier pour faire une pelle, ça risque pas de fonctionner vraiment. Il me faut des bâtons, d'accord, c'est génial. Bon, allez. Alors forcément, la nuit va vite me ralentir. Je commence à faire n'importe quoi. Ils sont mes établis. J'avais pris. Ah, bah. Voilà. Du coup, on y retourne. Bon, je sais qu'on entend ma manette, c'est pas grave. Alors, on va essayer de faire quelque chose de sympathique. D'ailleurs, peut-être que je vais mettre ma table d'enchantement dans cette église, ça pourrait être sympa. Ah, oui, c'est vrai, il y a la terraformation. J'ai complètement zappé. Bon, là, je commence à faire le sol, bah, ça me permettra de visualiser. Et puis, comme j'ai pas de toute façon assez de pierre maintenant, donc... Voilà, donc du coup il va me falloir un petit peu de bois. J'espère que là aussi je vais en avoir assez. Sinon, bah c'est pas grave, hein, j'irai en off pour la suite. L'église, ça va être un bâtiment un petit peu plus gros. Après les maisons, ça va être quelque chose d'assez fait à la chaîne. Donc bon, c'est pas bien grave. Je m'assurerai d'avoir les ressources qu'il faut. J'aurais jamais cru que ça prendrait autant en fait. Mais bon. Parce que là, c'est clair que s'il faut que je mette des arbres en culture... Ouais, d'accord, ok. Je vais tout de suite mettre des arbres en culture, ce sera fait. Bah, j'en ai sur moi. J'ai peut-être prévu le coup inconsciemment, je ne sais pas. Tac, 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 tac. On va tout mettre, de toute façon ça me redonnera des pouces, alors bon. Voilà, et je n'ai pas de hache, mais c'est pas grave, j'ai de la pierre sur moi, j'ai de quoi en faire. Du coup, ouais, je tiens fort à cet emblème de creeper, donc je vais le mettre. Ce sera toujours sympa. C'est Minecraft après tout. Autant faire des choses sympathiques. Je vais me faire une hache. Ce sera fait. Alors qu'il y a un zombie pas loin. Et je n'ai pas de pierre. Voilà, comme ça je pourrais... les arbres le moment venu, voilà. D'accord. Alors, je peux dormir que la nuit, parce que là c'est pas la nuit. Voilà. Comme ça, pas de mob.
Ou très peu, du moins. Voilà, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, du coup, il sera vraiment très. Donc, je vais faire les montants. Du coup, il me faut 8 également. Alors, je ne sais déjà plus combien j'en ai fait. 1, 2, 3, 4. Ok, je vais recommencer. C'est pas grave. Le truc, c'est que quand on construit les trucs, on s'imagine dans nos têtes ce que ça peut être, et c'est jamais ça après, donc bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le truc, c'est que... Merci beaucoup, le... Comment ça s'appelle? Merci beaucoup, le boîtier d'acquisition qui fait un vieux décalage avec les sons. Du coup, ça me désoriente un petit peu quand je compte mes blocs. Mais bon. Et merci les voisins de claquer les portes, c'est toujours agréable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et du coup le 9e, l'église va être assez massive, mais bon. Bon, j'imagine que vous voyez tous à quoi ça ressemble, une croix catholique ou chrétienne, je sais pas trop. Je crois que c'est à peu près la même chose. Voilà, il y a toujours le segment vers le bas est toujours plus long. Là, je pense que je vais le rétrécir un petit peu. Parce que j'ai pas vraiment envie... Ouais, je vais broc au niveau de mes bottes, d'ailleurs. J'ai pas tellement envie de... Comment dire? Par contre, je virerais cette horreur aussi, qui est juste moche. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, en fait, de faire un creeper... Est-ce que je pourrais juste le simplifier, le visage du creeper, hein, en mode... Attendez, 1, 2... 3. Non, je pourrais pas vraiment le simplifier, quoique. Je peux faire un truc que de. Alors que ma chaise a fait grincer, ok. Parce que je suis pieds nus sur ma chaise. Du coup, là, je me pose des questions. Alors, attendez. J'ai même pas de milieu en fait. Juste un truc. Si je pars du principe que 1, 2, 3. Ok. Parce qu'en fait, j'ai une peluche de creeper posée sur la tour de mon PC et je me sers de son visage comme référence. C'est tout simplement pour ça. Donc, alors attendez, là on a un œil entre l'œil et voilà. Du coup, à ce moment-là, ce sera un pseudo creeper. Ce sera pas le. Ouais, je pense qu'en vrai. J'ai tout à gagner à plutôt faire cette largeur là. Ouais, on va revenir en arrière. Parce que là c'est juste beaucoup trop grand en fait. Ouais, c'était juste beaucoup trop grand en fait. Après tout, ça reste une église de PNJ, donc bon. Alors, j'ai fait une coupure parce que je savais que ça allait prendre beaucoup trop de temps et j'ai envie de faire un maximum de choses dans cet épisode. Donc vous voyez, j'ai rabaissé drastiquement la largeur de cette église qui sera quand même, je pense, assez grande quand même. Donc du coup, la largeur, ce sera juste ça. Et du coup, en faisant une version miniature, donc qui sera pas extrêmement fidèle, mais on reconnaîtra de toute façon un creeper, ça c'est sûr. Du coup, je ferai... en 5 sur 5 et juste ici tout simplement j'aurai pile poil la place pour mettre mon truc d'enchantement, comme ça il y aura la table d'enchantement avec le livre, ça fera un peu comme l'espèce de promontoire sur lesquels il y a les bibles, voilà. Je réfléchis même à un truc, c'est peut-être de surélever ce coin là maintenant que j'y pense. Mais bon, en même temps, l'église, c'est pas le lieu dans lequel on rentrera tout le temps. Je pense que même une fois que le village sera fait... Puis bon, on sera toujours amené à le modifier. Donc bon, écoutez, je vais continuer un petit peu la structure de cette église. Et puis on se retrouve après, parce que si on fait ça ensemble, ça va juste être trop long. Et je pense qu'un timelapse, ce sera pas 100% génial à regarder. Donc, surtout à la première personne. Donc, on se retrouve tout de suite. Et voilà pour la taille de cette église. Voilà, donc...
Évidemment, elle sera un petit peu plus décorée. Je vais faire des ornements, des petites colonnes en extérieur. Là, c'est juste le... Comment dire ça? Le squelette, voilà. Donc, finalement, j'ai fait une forme de croix. Au niveau du... Ouais, la croix, voilà. Donc, les deux les côtés latéraux sont plus courts. Et je pense que en haut comme en bas, c'est la même taille, c'est pas très grave. De toute façon, c'est purement décoratif. Et c'est surtout purement minecraftien, donc je pense que ça va le faire. Du coup, maintenant, le but, ça va être de faire monter les murs, dans un premier temps. Donc, je fais ça, et on se retrouve après. Alors, j'ai, on va dire, fini de monter les murs. Et là, je suis actuellement en train de monter ce qui serait plus ou moins la charpente de l'église. Bon, je fais tout en briques de pierre. Je sais que ça peut paraître un peu monochrome, mais bon, en général, dans les villages Minecraft, on n'a pas plus de deux matériaux, donc à savoir le bois et la pierre. Et je tiens à... vraiment à m'inspirer de ce côté-là, mais juste en poussant un peu sur les détails avec par exemple des variantes comme pour les blocs de briques de pierre. Vous voyez, j'ai mis des cassés, j'ai mis des moussus, voilà. Un autre truc aussi, c'est que j'ai mis des petites fenêtres, voilà, qui serviront de vitraux. Donc je sais pas avec quelle couleur je vais les faire. Dans tous les cas, il va falloir que j'agrandisse la map pour avoir accès à un désert et à d'autres villageois, sachant que si le village est bien fait... Eh bien, on a de fortes chances que les villageois se reproduisent entre eux, ce qui veut dire notamment que on aura plus de villageois, donc plus de marchandises, plus de professions, voilà. Donc, en ce qui concerne les matériaux pour le toit, j'aurais aimé avoir de la brique du Nether. Le truc, c'est que je n'en ai actuellement pas, donc je pense que pour le toit, je vais tout simplement... attendre d'avoir accès au Nether, ce qui devrait arriver dans peu de temps, une fois que mon équipement sera utilisable. Il l'est, mais j'ai pas envie de le gâcher. Donc pour le toit, pour l'instant, on devra se contenter de cette brique de pierre. Mais voilà, au fur et à mesure de l'aventure, même si je commence maintenant à construire des bâtiments, rassurez-vous, au fur et à mesure de l'aventure, je vais avoir accès à plus de matériaux, ce qui veut dire que plus j'aurai accès à de nouveaux matériaux, plus je pourrai revenir retoucher les bâtiments déjà construits. Voilà, une fois qu'un bâtiment est construit, voilà, on n'est pas à l'abri de le remodifier parce qu'on a plus de matériaux ou ce genre de choses. Je pense par exemple à l'argile émaillée qui est juste magnifique, aux blocs de purpure, pourquoi pas, qui sont les blocs qu'on trouve dans l'Ender, voilà. Du coup, j'en suis moi à 45 minutes d'enregistrement. Je sais que j'ai prévu de faire des coupures. Le truc, c'est que, évidemment, quand on fait ce genre de coupure, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas forcément moyen de savoir combien ça va me prendre de temps final pour l'épisode. Donc, je vais pas tarder à m'arrêter, je vais juste finir le squelette de l'église. Un truc que je voulais faire aussi, peut-être, c'était pourquoi pas adoucir un peu le... Oh, quoique, en même temps. Alors, attendez, juste un truc que je vais faire... Maintenant que j'ai terminé ce coin-là, donc je vais faire les détails. Je sais pas si je vais les faire dans cet épisode-là. Pour le coup. Donc les détails, c'est quoi? C'est les gouttières en demi-dalle. Je pense que je vais utiliser de la cobble pour ça d'ailleurs. Mais déjà, il faudrait que j'aille le toit pour voir ce que ça donne. Le toit, j'ai envie de le faire en escalier parce que c'est beaucoup trop carré comme ça. Un truc que j'ai envie de faire. Ah merde! Et évidemment, je n'ai pas de pelle. Attendez, je vais juste dormir 2 secondes. Merde. Je me gourre dans mes touches. C'est pas bon. Je peux dormir toute la nuit, mais ne fous pas de moi le jeu. Ce troll. Du coup, je vais condenser l'épisode comme je peux, évidemment, mais ouais, il va peut-être être plus long, plus court que d'habitude, parce que là, vous l'avez vu, on commence à faire les constructions, donc voilà, je l'avais dit, quand le format va prendre un petit peu d'ampleur, on n'est pas à l'abri que qu'il y ait un peu plus de montage, tout simplement. Alors,
Du coup, ce que je veux faire, c'est ça. Ici, pareil, on mettra un vitrail. Voilà, on va faire une croix parce que je pense que c'est quand même assez représentatif. J'ai pas envie de perdre ces blocs, ils sont pour l'instant beaucoup trop précieux. Donc, à l'intérieur, ça va spawn, ça c'est clair. On n'a pas encore tout décoré. Je pense que je vais déjà. Je pense que j'intégrerai là-bas mon matériel de. Comment ça s'appelle? D'enchantement. Donc, je vais tout de suite mettre des torches parce que j'ai pas du tout envie qu'un creeper apparaisse là-dedans et connaissant ma chance. C'est clair que ça peut arriver, donc voilà. Ok. Cette église est encore vide, mais c'est une première ébauche. En tout cas, à l'intérieur, elle sera plus ou moins comme ça. Bon, elle va être meublée, évidemment. Mais voilà, je mettrai des lampes aussi quand j'aurai accès à de la glowstone. Bon, elle paye pas de mine pour l'instant, mais bon, il n'y a pas de toit. Je vais faire des colonnes le long avec des barrières de cobble. Mais je pense que je vais faire ça en off parce que ça fait presque une heure de tournage pour moi. Sachant qu'il va falloir que je l'upload. Voilà quoi. Du coup, ce que je vous propose, c'est que on en reste là pour cet épisode. Ça me permettra de savoir à peu près, avec ce genre de coupure, combien de temps dure l'épisode final. Je couperai tous ces arbres-là. Du coup, la prochaine fois qu'on se reverra, l'église sera peut-être pas finie, parce que j'aurai pas encore les vitres et tout ça. Mais, voilà, elle aura un petit peu progressé. Du coup, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc oui, je sais que l'église pour l'instant est juste moche, mais c'est un début. Voilà. J'aurais pensé pouvoir le faire en un seul épisode, mais étant donné que 35 minutes pour moi c'est la limite maximale. Voilà. J'ai pas non plus envie de faire que des coupures. Faut bien que vous voyez poser des blocs à un moment, parce que sinon, où est l'intérêt de faire un truc sur Minecraft? En tout cas, voilà. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, voilà. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure, donc lundi prochain, si tout se passe bien. Et en attendant, mercredi prochain et, j'espère, vendredi prochain pour la suite du Let's Play d'Halo CE. J'ai enfin les terminaux, je vous les mettrai dans le prochain épisode, voilà. Sur ce, à très bientôt, salut à tous! We'll be right back.